Alimentation principale déconnectée. Toutes les entrées sont hors service. Particulier aujourd'hui, tandis que vous allez connaître vos toutes dernières heures en ce monde. Toute la rumeur, tous ces sacrifices humains, le portail infernal et les démons. Malheureusement, tout est vrai. Mes chères sœurs et mes chers frères, soyez heureux. Vous serez les premiers. Vous serez assis à leur côté, au même titre que moi, dans ce tout nouveau monde qu'ils sont en train de concevoir rien que pour nous. Aujourd'hui et maintenant. Il n'est pas question. En particulier aujourd'hui.
Accès refusé. Autorisation de niveau jeune demandée. Autorisation de niveau jeune demandée. Présence démoniaque des niveaux non sécurisés. Verrouille objectif. Présence démoniaque à des niveaux non sécurisés. Verrouillage actif. Intrusion démoniaque terminée. Fin du verrouillage.
Accès accordé. Bienvenue dans la station martienne de l'UAC, située dans l'immense bassin d'impact de Hellas Planitia. Ce site d'excavation et de recherche avancée repousse chaque jour les frontières de l'imagination. En tant qu'employé dévoué, votre loyauté est plus qu'un simple engagement envers l'UAC. C'est un engagement pour l'avenir de l'humanité. Merci.
C'est un cadeau. Tenez, il vous donnera la force nécessaire pour poursuivre votre route. Si vous supportez le choc initial. De l'UAC sont morts. 81% du complexe a été verrouillé. La présence démoniaque dans l'installation martienne est critique. D'après les archives du Dr. Hayden, l'invasion a débuté dans le laboratoire Lazarus. Il semble qu'une onde infernale a été activée, transformant 64% des employés de l'UAC en créatures qui errent dans le complexe. Les autres ont été tués par les démons libérés de leurs cellules de détention, par Olivia Pierce. Permettez-moi de vous présenter mes excuses pour ce qui vient d'arriver. Certains de mes employés ont fait preuve d'un peu trop de zèle. Olivia en est la cause. Et vous devrez régler cela en temps voulu. Nos recherches peuvent vous déplaire, mais sachez ceci. Nous avons exploité les ressources de l'enfer dans l'intérêt de l'humanité. Ce que vous voyez ici est le prix à payer pour cette évolution. Mais cela n'a plus d'importance. Il y a une urgence dans la fonderie. Les régulateurs ont été détruits et la température du cœur est en train de perdre en stabilité. Ils ont envahi le site voisin. Si les turbines ne sont pas relancées, aucun de nous n'y survivra.